Bonjour et bienvenue à cette vidéo qui va vous parler de l'application en ligne collaborative de Jamboard. Alors, première des choses, il faut aller sur jamboard.google.com pour avoir accès à une page par la suite. Alors, si je fais ça, jamboard.google.ca. Par la suite, si vous avez déjà eu des Jamboards qui ont été faits par vous ou par quelqu'un qui en a partagé avec vous, vous allez en trouver. Sinon, on appuie sur le plus de toute façon pour en créer un nouveau. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. On a donc une page qui est complètement blanche. Première bonne habitude, évidemment, c'est d'aller mettre le titre. Alors, je vais écrire les parties du cercle. Alors, on va faire un petit peu le tour de ce que ça donne. Vu que c'est une application qui peut être utilisée en ligne, bien, je pense qu'une des premières choses, c'est de la partager dans un but collaboratif. Alors, vous pouvez ajouter le nom des personnes ou vous pourriez copier le lien. Si, par exemple, vous utilisez un environnement numérique d'apprentissage, que ce soit avec Teams ou avec Google, vous pourriez copier ce lien-là, mais attention. Il faut qu'on soit bien sûr de la modification. Donc ici, c'est permis seulement en lecture et nous, on veut du travail collaboratif. Donc, on va mettre les gens en édition. Donc, si vous partagez maintenant le lien à quelqu'un, donc vous pouvez bien sûr, comme je dis, l'envoyer par courriel ou le déposer à un endroit et tout le monde va avoir accès à ce même Jamboard-là, les parties du cercle. Alors, en haut ici, c'est la place qu'on a pour faire plus qu'un cadre. Alors, si on faisait un travail où on avait, par exemple, 6 équipes dans une classe, on pourrait avoir un canevas de base et partager. Et l'équipe 1 travaille sur la page 1, l'équipe 2 sur la page 2, etc. Alors, tout le monde pourrait travailler dans le même environnement, ce qui facilite beaucoup au moment de l'évaluation, mais surtout de la présentation. Alors, ça, c'est une bonne idée. Maintenant, au niveau de l'application, vous allez voir qu'ici, on a le style de stylo. Alors, on a quelques épaisseurs, quelques couleurs que l'on peut choisir. On peut ici effacer. La flèche sert à sélectionner. Donc, si par exemple ce mot, je ne le trouvais pas placé au bon endroit, je peux venir le replacer. Au niveau du pense-bête, c'est des petites notes que l'on peut écrire. Par exemple, je pourrais écrire la définition. La circonférence est. Et là, je vais copier. Et on va voir apparaître donc la petite pense-bête. Alors, on en a déjà une. Alors, on pourrait avoir nos définitions qui viennent tout autour avec les pense-bêtes. On peut aller chercher des images. Par exemple, le cercle, c'est un peu difficile de dessiner un beau cercle à l'écran avec une souris. Alors, on peut aller chercher des images et on peut les importer. On peut aussi, lors de la présentation, utiliser le laser. Donc, si on veut faire une démonstration, puis on veut mettre l'accent ici ou sur l'accent du mot, donc c'est vraiment pour attirer l'attention. Alors, c'est les principales fonctions de l'application Jamboard. Vous pourrez voir que si vous allez en application sur une tablette, par exemple, c'est un peu différent. C'est de cette façon-là que je suis allée utiliser par la reconnaissance d'écriture. Et je suis allée taper mon mot et il reconnaît, je peux dessiner le cercle et il reconnaît la forme. Alors, il y a quelques petites choses assez avantageuses. Au niveau du contexte, ici en haut, c'est pour modifier l'arrière-plan. Donc, on pourrait mettre des guides, par exemple, si on fait certains diagrammes et tout ça, on pourrait mettre un guide. Alors, ça, c'est intéressant. Alors, c'est les différentes options de partage. Ce qui est intéressant aussi à la fin, bon, évidemment, on pourrait renommer, on pourrait le télécharger en PDF, on pourrait le mettre en tant qu'image, on pourrait en créer une copie si on voulait, par exemple, le modifier ou partir de ceci. Alors, c'est des options qui sont possibles.